Bonjour, nous nous retrouvons enfin en dehors du garage, dans un milieu un petit peu champêtre, puisqu'il s'agit d'une forêt tout simplement, qui appartient au domaine de la forêt de Chironvilliers, dans l'Eure. C'est un endroit très très tranquille. Donc voilà, la Chambord est terminée. Donc on va faire un essai routier, on va voir un petit peu 2-3 détails sympathiques. Donc ce sont des moteurs très fragiles. On conduit ça, c'est vraiment pas fait pour la performance, hein. Faire des drifts, des donuts, ce que vous voulez. Non, non. Pour le minimum de puissance qu'ils ont, il faut quand même pas trop solliciter le moulin, quoi. Donc ça fait quand même de la route, hein. C'est pas une anglaise non plus, hein. C'est une française, comme vous l'avez compris. En attendant, ce genre de bagnole, finalement, c'est très silencieux, donc pas trop fatigant, en comparaison de la Cinquaronde, par exemple. Elle a une ligne typée américaine, mais ça, vous savez pourquoi, si vous avez vu le premier épisode sur la Cinca Chambord. Je vous mettrai un lien de la vidéo, si vous ne l'avez pas vu, dans la description. Donc voilà, on a des lignes élancées. C'est une voiture qui roule bien en fait, hein. Celle-ci a une couleur qui n'est pas d'origine. Donc les puristes vont pas forcément apprécier la blague. Mais ça lui va bien quand même. Ça lui va bien, ça lui donne son petit charme. On a l'espèce de bleu clair qui tire un petit peu sur ce qu'on peut sur la fibre années 50, on va dire. Donc c'est assez sympa finalement cette couleur. Alors sa calandre est la sienne, les antibrouillards sont des antibrouillards de version antérieure parce que celle-ci devait avoir juste des petits clignotants, pas de longue portée comme ça. Vous avez vu ce beau cul? Alors la position de conduite est assez confortable, des bonnes banquettes à l'ancienne. Donc c'était une voiture destinée pour la haute bourgeoisie à l'époque quand même, qui valait très cher comme je vous l'ai dit. Donc c'est pour ça qu'on avait quand même pas mal d'accessoires de série, hein, tels qu'un cendrier. Bon, mais l'allume-cigare. Boîte à gants avec lumière intégrée à l'intérieur, un compteur avec pas mal d'équipements, hein, tels qu'une horloge, un témoin de plein phare, un témoin de frein à main enclenché, une température d'eau intégrée. Donc c'est vraiment assez luxueux. En plus, on avait un petit rhéostat pour régler la lumière du compteur. Et dans le chauffage aussi, c'était assez avancé, puisque finalement on peut couper et allumer la température, on va dire, avec un petit robinet de l'autre côté. Mais également, on avait une prise directe d'air frais à l'avant qu'on pouvait ouvrir l'été. Donc ça c'est pas mal pour l'époque. Le véhicule sur ces deux banquettes a ce genre d'accoudoir. Donc voilà, on conduit tranquillos comme ça, hein, pas de soucis. C'est une caisse cool en fait. C'est une caisse cool pour cruiser. Si vous êtes amateur de muscle car, bah, c'est pas fait pour vous. En revanche, beaucoup de papas, hein, qui étaient fans de rock'n'roll et adoraient cette voiture. Aujourd'hui, cette voiture, bah, est un petit peu oubliée, quoi. Donc, on en parle ici. Voilà, Simca Jim, c'est là. Nique ta mère, Simca Jim! Nique ta mère! Putain, ça me casse les couilles. Donc voilà. Les habillages de porte. Bon, c'est pas d'origine. Mais vous avez quand même le petit rappel du C Chambord, sympathique. Le dessin d'origine n'est pas du tout celui-ci. Alors, à l'arrière, également beaucoup d'espace. Vous voyez les genoux. Je suis grand, je fais 1m87 et je suis tranquille. Sur ces banquettes-là, on avait des poignées de maintien. C'est assez génial.
Normalement, il y a un équipement ici avec un cendrier, une lampe de lecture et encore un allume-cigare. On a ici toujours le petit accoudoir. Et sur la portière, on a un petit cendrier de chaque côté. Donc c'est assez sympathique, quoi. Donc là, on fait un petit passage en ville. Tranquillement. Voilà. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde, mais vous vous doutez bien qu'on roule dans ce genre de véhicule. On ne passe pas inaperçu. Donc, hop là. Allez, tiens, salut toi. Voilà, dans ces petits villages de France, avec la sympathie des gens que le véhicule dégage, c'est assez satisfaisant. Fenêtre, coude à la portière. Et c'est parti. Regardez, je suis en côte, j'accélère, ça ne demande que ça. Oui, sauf que quand ça tombe en panne, c'est un peu relou. C'est longtemps. Donc le passage de vitesse se fait vraiment à l'américaine, quoi. Donc c'est Versoix en bas pour la première. Le véhicule n'a que trois vitesses. Donc la première sert vraiment à s'élancer. Hop, la deuxième. Et on peut passer la troisième à partir de 40-50. Donc voilà, tranquillement. Les clignotants, c'est le petit bitonio qui est juste là. Il roule ma poule, quoi. C'est vraiment pépère comme voiture, quoi. C'est pépère et c'est agréable. C'est pas fatigant. T'as pas un moteur qui hurle dans les oreilles. Ça manque un peu de musique. Le véhicule est prêt à rejoindre le propriétaire. J'espère que cette aventure avec la Simca Chambord vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cette aventure vous a plu, parce qu'il y a d'autres véhicules de prévu. Donc je ne sais pas trop ce qu'on va faire, ça dépend de ce qu'on va avoir prochainement. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et je vous dis rendez-vous au prochain numéro. Salut !